Bonjour mademoiselle, je voudrais une paire de chaussures en 40 et demi pour ma grande fille qui est là. Je suis sûre que vous lui donnez 18 ans. Pas du tout, elle a 13 ans, elle est en plein âge ingrat. On sait pas comment les chausser, ça va les habiller, c'est un problème. Je voudrais une paire de chaussures solides, voyez-vous, qui puissent lui servir éventuellement pour une petite sortie. Puis j'aimerais bien qu'elle fasse le pèlerinage de Chartres, hein, ça lui ferait beaucoup de bien. Ma chérie, une fois pour toutes, ne dis ni merde, ni con, ni chier. C'est abominable dans la bouche d'une jeune fille. Ton père et moi sommes littéralement désespérés, tu ne peux plus dire deux mots sans dire putain bordel. Avec catalogue Richelieu, s'il vous plaît, mademoiselle. Comment, vous ne savez pas ce que c'est qu'un talon Richelieu? Ah, alors là, je ne peux vous être d'aucun secours. Hein. C'est une expression courante. Enfin, j'ai toujours entendu dire dans ma famille, va t'acheter des talons. Enfin, ça n'a pas l'importance, c'est un talon de marche, voyez-vous, un talon solide. Et puis, pendant que vous y êtes, très gentil de m'apporter quelques petits modèles aérés, parce que ma fille ne veut pas que j'en parle, transpire des pieds. Ma chérie, tu me bouscules. Mais je ne parle pas fort, voyons. J'explique à la demoiselle que tu transpires des pieds parce que nous sommes dans un magasin de chaussures. Enfin, je pense qu'elle entend toute la journée parler de problèmes de ce genre. Tiens, non, c'est une question d'âge. Passe le modèle que la demoiselle t'apporte, faut voir aux pieds. C'est pas moi qui vais les porter, de toute façon. Vous savez, je suis une amie de Madame Baudin, qui est une de vos clientes. C'est elle qui m'a dit, va chez Manfiel pour ta fille. Je veux dire, je n'aurais pas pensé. Il est certain que 40 et demi, c'est une pointure pour son âge. Mais enfin, vaut mieux tenir en équilibre que le contraire. C'est ce que je dis toujours. Bon, écoutez, mademoiselle, vous me faites un joli paquet avec celles-là, sont charmantes. De toute façon, tu n'auras rien d'autre pour ton anniversaire. Merci à la gentille demoiselle qui s'est bien occupée de toi. Merci, maman. On peut dire que tu es gâtée. Ah, c'est mercredi, c'est une épreuve. J'ai un mal de crâne. Ne traîne pas des pieds.